Justement, je vais vous montrer comment tout simplement créer un serveur Minecraft. Donc c'est facile. Déjà, il faut télécharger MyMine. Donc c'est votre site de recherche, vous mettez télécharger MyMine 1.8.6. Lien, c'est sur mise à jour de MyMine. Téléchargement MyMine 1.8.6. Bon, après, vous mettez passer l'annonce en haut, tout et tout et tout. Après, vous téléchargez. Donc, je sais pas pourquoi ça bug. Donc, voilà. Donc, là, vous mettez un truc, un compte à rebours. Après, vous cliquez dessus. Là, vous attendez. Voilà, vous téléchargez, c'est l'annonce. Après, vous téléchargez. Donc voilà. Après, vous le mettez. Vous exécutez. Vous l'ouvrez. Voilà. Donc, installer serveur. Donc voilà, votre IP à machine, le nom de votre serveur que vous voulez. Moi, je mets YouTube. Message de bienvenue, par exemple. Construisez. Donc, ça, nombre de gens max. Les users, les animaux, les monstres, les structures, le villageois, les game modes, les PVP. Donc suivant, l'online mode c'est ici si la version est craquée ou pas. Donc vous activez ici celle elle est craquée. On est craquée, voilà. Donc votre map, vous choisissez une map. Si vous allez en télécharger une, vous savez mettre tout seul. Une map défaut. Dossier d'installation du serveur. Donc si par exemple vous choisissez un dossier où votre serveur va être stocké. Vous en créez un autre. Et voilà, quand c'est terminé, vous allez dans votre dossier. Voilà, vous mettez le run, à moins qu'il ait déjà mis, parce que ça va être un petit message avant, si vous voulez qu'il s'active tout de suite. Voilà, le run est activé. Après, vous allez sur votre Minecraft, multijoueur, vous mettez l'IP de Amoshi. Voilà, et là, normalement, rejoindre le serveur. Votre truc, là, votre map, enfin, votre serveur est prêt. Donc, bien sûr, faut avoir Amoshi. Je mettrai un lien dans la description. Je mettrai le lien de MyMine pareil. Donc, voilà.